Et là, nous sommes à Koumassi, au quartier après Fanny, non loin de 32, à Columbia. Comme vous le constatez, voilà, tout est gâté ici ce matin. Mais ce matin, toutes les maisons ici ont été toutes cassées. C'est tout un quartier qui a été détruit comme ça ce matin. Tout un quartier. Des milliers de familles dans la rue ce matin. Apparemment, beaucoup ne savent pas où aller ce matin, vu les circonstances dans lesquelles le quartier a été cassé tôt ce matin. Selon certains habitants, personne n'a été averti pour cette casse ce matin. Attends, il a parlé d'abord. Il a parlé dans le tigre. Hein? Voilà, ça, c'est le reste que la vie. Voilà, d'accord. On a pleuré. On s'est tué, on a pleuré, on s'est tué. Quoi? On est des sons de l'État. Et là, depuis quelle heure ils sont venus? Ah, mon cannabis. 6 heures. 6 heures, à ce moment, tout le monde dormait déjà. On espère qu'il n'y a pas eu de morts, de blessés. En effet, la situation est critique, très très critique, parce que selon les habitants de ce quartier, tôt ce matin, lorsque les policiers sont venus, il y a eu des personnes qui ont été blessées, d'autres sont transportées d'urgence à l'hôpital. Voilà, donc c'est quand même un peu critique, puisque c'est plusieurs familles qui sont actuellement dans la rue, se retrouvent sans maison, sans ressources, sans rien.
Alors, nous allons un peu vous montrer quelques maisons. Vous voyez, ça c'est tôt ce matin. Il y a vraiment eu des dégâts. Et le plus inquiétant, c'est en plein milieu d'année scolaire. Et là, vous imaginez des enfants qui n'ont pas où dormir. Est-ce que ces enfants peuvent vraiment se concentrer sur l'école? N'oubliez pas, vous êtes sur Ivoire TV 5. Ivoire TV 5. Messieurs, comment on met la vidéo là? Je te dirai à quel moment. Il est fini. Quand il y a sorti, je t'en. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment un dégât ici. Ouais. Je vous montre toute la maison. Ici, paraît-il que c'est chez une grande main qui s'est débrouillée à peine ici. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, encore d'autres problèmes qui s'ajoutent aux problèmes que la famille avait déjà. Moi, je peux avoir quelle impression? Moi, j'habite là-bas. J'habite là-bas. Bon, je suis en train de déménager. Mais ce matin, mes voisins m'ont appelé. Ils disent qu'ils sont en train de casser. Ils m'ont d'accord. Je n'ai pas laissé la clé. Je suis venu, les policiers m'ont empêché d'arriver parce que c'est les garçons, les femmes qui doivent arriver, les garçons doivent arriver. Donc maintenant qu'ils ont cassé sur le mur, le peu qui est resté là, je suis en train de récupérer. Ici là, c'est la maison de ma voisine. Donc quand mon téléphone est resté avec moi, je suis en train de ramasser tout ça pour elle. Je viens de poser ça chez son mari. Comme son mari a un maquis au carrefour, chez Fofo, au carrefour de l'hôpital. Je vais essayer de ramasser au moins. Sinon ça là. Tout ce qu'on peut dire, on dit merci au maire Bakongo. On lui a fait confiance. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. En tout cas, comme vous pouvez le constater, le découragement et la tristesse se lient sur le visage de toutes ces victimes concernées. Mesdames et messieurs, nous le rappelons, vous êtes sur Ivoire TV 5. Ouais, il y a encore des odeurs et le gaz de lacrymogène. Ouais, ouais, il faut que je me retourne. Ouais. Mesdames et messieurs, vous voyez comment on souffre vous. Je me suis fait pomper la gaz de lacrymogène. Ouais, je suis désolé, je serai obligé d'arrêter ce petit reportage.